Freddy? Ben, on a pas mal attendu ce matin que le vent s'établisse. Et là, premier hit, il semblerait que je descende d'une voire de taille, donc c'est parti. D'accord, t'as préparé quoi de là? 7 mètres et 6 2. D'accord. Déjà de la corde, comment ça s'est passé? Ouais, le vent est monté rapidement, j'étais en 7-8. Mais là, bah, je prépare, j'ai changé pour la 7 mètres. Là, je prépare la petite planche quand même. Mais je pense que ça va monter. C'était pas mal, c'est cool de reprendre les compètes là. Pas mal de monde. Ça va être... Tu rentres de ton hit, deuxième? Ouais, tout à fait établi. J'étais en 7-8 et là, on part en 7 mètres parce que je pense que ça va prendre un peu de tour dans la frame. Le plan d'eau du Jaï, tu connais? Ouais, c'est quelques années. Bah, toujours bien casse genou, à mon avis demain ça va être sport, mais tant mieux. Merci à toi, bonne chance. Tu viens de terminer ta poule, comment ça s'est passé? Oui, c'était la première poule de qualification, et bon, j'ai gagné la poule, mais c'était vraiment très léger le vent sur la manche, donc je vais changer pour la prochaine. Et, en matériel, tu étais sur j'étais quoi? J'étais en 6-2, 106 litres, mais 7 mètres ce serait plus, je pense. Ok, le niveau des filles sur l'eau, vous vous êtes un peu jaugé avant? Non, pas trop. Hein. Vous connaissez? Ouais, après il y a des filles qui naviguent bien. Hein. Non, ouais, ça va être cool, ouais, je pense. Mais là, vu que c'était vraiment léger le vent, je pense qu'il y avait plein de filles sur l'eau. C'est une bonne heure, j'étais sur l'eau, j'étais dans la poule 8, donc la dernière du premier tour, et c'était très fort tout à l'heure. Pour un 7-7, drag, alors 7 mètres, et c'était vrai, ça. Ça a vraiment calé. Et on a refait deux fois cette poule parce que c'était vraiment mou. Après moi j'ai des super mini en 7 mètres, ça manquait un tout petit peu là sur la Jive 3. Et sinon, bon là je vais repartir en 7-7. Là il y a aperçu, donc stand by, on attend de faire repartir. Okay. Merci. On était en 7-8 et le vent est monté, donc avec Basile on a essayé d'aller changer, on a pris les 7 mètres et j'ai pris un bon départ, tout le monde était à peu près bien, mais moi je pense que j'ai pris vraiment mon départ et du coup j'ai réussi à me caler à peu près. J'étais 3ème en arrivant à la première bouée, après je mets l'intérieur à Pierre et j'ai réussi à ressortir 1, par chance je sais pas, mais c'est bien passé, je suis content. Super, bravo, félicitations. Kettel, 2ème de cette première finale homme du jour, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé pas trop mal pour moi. Je fais pas le meilleur départ de la flotte. Je suis positionné sous le vent et j'arrive à l'accélération en milieu de premier bord qui me permet quand même de me dégager un peu de la flotte au vent. Et je passe en tête. Je passe en tête à la première bouée. Je fais un jibe assez large. J'ai la voile un peu qui part. Donc je fais pas un super jibe. Et Jimmy qui était à mon vent, il est revenu, il a repris l'avance et puis après bon j'ai essayé d'attaquer comme je pouvais mais pas évident de le reprendre. Ok, sur un spot comme le Jaï, content de ce premier résultat? Oui content, bon voilà, ça fait quand même quelques années qu'on est ici donc on sait comment ça fonctionne par Mistral, mais non, content surtout de refaire un peu de course après tant d'attente. Tout à fait. Victorieuse de la manche numéro 1 chez les femmes, est-ce que tu peux nous la résumer rapidement? Bonjour à tous. Alors du jour, c'est musclé parce que le vent il ne fait que changer. Il monte, il descend, donc un choix de voile assez difficile, mais on a réussi, toutes les filles étaient en 6-3 médium. Et du coup j'ai pris un super start, ce qui m'a permis d'être direct en tête à la bouée 1, et après il fallait plus qu'assurer les jibes. J'avoue que j'avais l'impression Ouais, ça poussait derrière. Ouais, je sais que derrière c'est pas les mauvaises, c'est la championne du monde puis la vice-championne du monde. Donc du coup je suis très contente de ma manche et bon, on va essayer de faire la même chose pour la deuxième. Entendu. Et les prévisions de ski encore? Les prévisions demain plus musclées, je pense que je vais ressortir ma voile de vague peut-être, qui sait. J'espère au moins essayer d'aller naviguer, mais...